Donc bon, non, bon. Et tu fais quoi dans la vie, toi, Pass Girl? Shame on that fish. Non mais s'il te plaît, vous avez pas des poissons super rares à me donner, genre? Je ne veux plus. Les gens de la ville de ville m'ont pris mon panier. Putain, c'est que c'est. Ça date, hein! Non mais ce genre de son, ça date un petit peu là. J'ai eu un vieux pneu, d'accord. Faut utiliser. Waouh! J'ai eu un pneu! Mais super! Non mais je m'en fous des escargots. Non, les escargots, Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres. Oh, j'ai plus de place. Oh, vas-y, on le laisse tomber, on s'en fout. Ok. Vas-y, mais j'aime bien la pêche un petit peu. Moi, je trouve que ça détend. Vous voyez, la pêche, ça détend. Peut-être c'est chill et tout. Tu peux choper le Céacanthe. Ah, le fameux. C'est ça, le fameux Céacanthe dont tout le monde parle, que Voli a pêché. Waouh. Attendez. On va aller voir ça, attendez. Moi, je veux pêcher le Céacanthe, hein. Je veux le Céacanthe. Du coup, ça va bien, Zephyr, ou pas? Ça va bien? Attends, est-ce que j'ai peut-être loupé ta réponse? Si ça, je suis un mauvais streamer. Ah non, ça va. J'ai eu très peur. Ok, ouais, donc les poissons aussi, c'est certaines heures. Ok. Bon, les gars, tout donné pour le Céacanthe, hein. Il nous faut des thunes, là. Il faut rembourser le prochain prêt de Tom Nook. Mais j'ai pas de fossile, non? Formidable, que veux-tu me donner? Oh, parfait. Oh, let's go, j'en ai des nouveaux. C'est bien, ça! Mais en vrai, j'en ai des nouveaux, du coup, c'est bien, je suis content. Ok, donc c'est quand on dit peu. Parfait, let's go, on va aller pêcher le Céacanthe. On va aller à la plage au Céacanthe. À la pêche au Céacanthe, c'est parti, allez. Du coup, on va aller se vider, on va aller vendre 2-3 trucs et je pense qu'on va aller racheter des cannes à pêche, on va aller à la pêche au Céacanthe. Je suis en version adulte suite à une reconversion pro, je suis dans le commerce et là, je me dis. Putain, Spook, arrête avec tes poils! Oh, trop cool, ok. Ok, t'as. Ouais, donc le changement est totalement drastique. Parce que ça te saoulait le commerce, t'es plus dans la partie quoi, dans la partie mode vente, etc. Bah, ouais, c'est cool si tu trouves une formation qui te plaît en tout cas et que. Bah, j'espère en tout cas que ça va bien se passer pour toi en tout cas. Et c'est bien, hein, c'est. En vrai, c'est dur d'avoir le cran de se dire de faire une formation. Mais c'est clairement la meilleure chose à faire parce que. Bah. Comme ça, tu vas pas rester. En fait, tu prends les devants sur le fait que tu dis que tu vas pas rester toute ta vie dans le même boulot. Donc autant le faire maintenant, quoi. Et c'est top, en tout cas. Trop cool, Pass Girl, trop cool. Mais j'espère que ça va aller. J'espère. Ok, attendez, parce que là, je suis focus en même temps. Coquillage estival, ok. Le pneu, putain, le vieux pneu, quoi. Super. Y a quelqu'un qui veut un vieux pneu, là? Genre, un vieux pneu, là, c'est... catastrophique. Wouah! Du mal avec le kappa. Bon, j'ai pas compris, c'est quoi cette histoire de kappa doré sur Twitch là? Ok, 3700 clochettes, parfait. Parfait. Ah non, mais bien sûr, ça détend de fou malade, hein. Ah, juste pêcher, moi je suis bien. Je suis posé, je suis pépouze, c'est très bien. Pour faire une balançoire, ok. C'est après, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une balançoire? Bof. Vraie question, quoi. Ça me fume, leur maison est tellement mieux que la mienne. Ça dégoûte un peu. Genre vraiment, je m'attendais à tellement mieux, quoi. C'est besoin pour savoir qui tu as mis au musée. Il suffit de regarder la bébétopédie et tu verras le tampon musée sur chaque poisson, insecte, créature marine. Si tu l'as déjà mis au musée, ok. Genre ouais, en mode d'ici, c'est ça. Genre là. Putain, mais hey, je sais pas s'il est encore là, Hugo, mais bordel, regardez-moi cette déco de fou malade. Voilà. Donc ça, si pour vous c'est pas une vraie déco de fou malade, bah. Ben voilà. Voilà. C'est tout. Hein. Allez, on entrepose ça. Qui veut gagner le pneu? Pépite de fer, ok, vas-y, on entrepose tout. En vrai, on peut aller essayer de tester ça. Hein. Vas-y, on entrepose le lit de Serena aussi. Hop. On entrepose le bois. Je sais même plus ce que je voulais faire. Coucou Canette, comment tu vas? J'en avais aussi marre de bosser les week-ends et finir à pas d'heure. J'ai envie d'un peu plus de tranquillité, de stabilité. Bah, c'est bien, cool. Écoute, bah, forcément, ouais, parce que la vente. Bah, tu bosses lundi, il y a des moments, tu bosses aussi les dimanches. Non, ouais, je peux comprendre, et c'est bien d'avoir fait la démarche justement de changer et de trouver une formation qui peut potentiellement te plaire, etc. C'est cool en vrai, la RH, c'est cool. Bah, si t'aimes un peu le.
pas le contact humain, mais quand même un petit peu, quoi. Ça peut être sympa. Coucou Razi, comment ça va? Écoutez la forme, hein, ça va très bien. Ça va très bien, en vrai, j'ai passé une bonne journée, bien productive, bien rangement. Bien, j'ai fait à manger pour 10 repas. Donc en vrai, je suis content. Allez, vas-y, on va aller chercher de la poiscaille. Hein. Là, aujourd'hui, c'est poiscaille. Hein. Ça, je m'en fous. Ça, je l'aime pas. J'ai juste la flemme de changer, de mettre mon... Non, c'est pas mérité. Juste la flemme de mettre mon filet. Oh putain, je suis désolé. Ah, pardon. Faudrait voir aussi ce qu'on peut acheter avec les Nook Miles. Ça pourrait être pas mal. Oh, c'est trop mignon, frère. J'ai un hippocampe. Oh là là, let's go. J'en faisais en stage plus jamais. Ah ouais. Ah, vous avez baillé, je suis désolé. Hein. Je suis désolé à ceux que j'ai fait bailler. Mais en vrai, la RH, ça va être un peu d'administratif, mais aussi, je pense... Enfin, en vrai, ça va dépendre de la boîte, mais ça peut être aussi du contact, humain, quoi. Oh, merde, putain. J'ai cru qu'il l'avait chopé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, je suis meilleur avec le filet plus qu'avec la canne à pêche. C'est tout ce qu'il faut se dire. Petite soirée, apéro, maintenant, c'est repos. De quoi c'était... ce soir ou hier soir, Razi? Bon, bah, c'est cool. Et coucou, Pauline. J'espère que ça va, bon, c'est cool. T'as bien raison, en vrai, Razi. Profite. Moi je profite pas parce que j'ai vraiment les poils de spook dans la bouche, c'est vraiment un plaisir quoi. T'as fait ça avec des potes? Apéro. Pardon, excusez-moi. Bon ouais, c'est des... Ouais, après tous les goûts sont dans la nature en vrai, j'ai envie de dire. Et toi du coup, t'en es où ta formation Pass Girl? Enfin t'as fait quoi là? T'es vraiment au début ou... Non, pause. Hop là. Je sais pas si ça vaut cher ou quoi, mais vas-y, je vais prendre dans tous les cas. Comme ça, en plus de ça, ça va nous faire farmer les McNools là. C'est parfait là. Les McNools, les Nook Miles. C'est horrible, hein, vraiment, je déteste ce mot. Hein. Vraiment, s'il y a un mot qui devrait être aboli, ça devrait être ça. Hein. Moi, je vous propose, on le rename les Rock Miles. Voilà. Je sais pas si ça vous va, les Rock Miles. Les Rock Miles, c'est bien. Mais oui, Charlie. Mais c'est très bien, en tout cas, Elena, tu as une très belle enfance. Et Charlie, en fait, vous l'avez trouvé juste ici, donc c'est bien. Au moins, c'est pas relou, quoi. Vous y passez pas une heure. Les RH, je connais très bien. En vrai, bah moi, je trouve que c'est un... Franchement, honnêtement, hein, pour moi, le boulot de RH, c'est un peu... C'est un peu dire que tous les super-héros ne portent pas de cap. Mais ça dépend vraiment du RH ou de la RH en question. Ouais. T'as passé un bon week-end, Kenneth Sadik? Tout ça a été. Et là, c'est un sélacante, là. Là, c'est un sélacante. J'ai paniqué. Mais il m'a... Je me suis dit, c'est un sélacante et j'ai paniqué. C'est bon. J'ai paniqué. Ok, c'est nouveau un sélacante. Les Rock Miles, c'est pas mal. Ouais. Bon, je suis chaud. Hein. On rename ça Rock Miles et... Mais je suis en train de voir avec Animal Crossing, mais... Bon, ils s'en foutent un petit peu, quoi. Ah ouais, en début de formation. Ok. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des bisous, Elena, des bisous, merci pour le lurk. À la cata. Et ça, du coup, bah, top, en vrai. Bah, au début, c'est que tu vas avoir, je pense, pas mal de choses. Puis après, peut-être, je sais pas si ça spécialise ou quoi. C'est une formation en combien de temps d'ailleurs? J'aimerais bien aider les personnes en difficulté handicapées à retrouver un emploi. Ça, c'est cool ça. Et c'est vrai qu'avec l'ARH, je peux faire beaucoup de choses. Avec les collègues. Bon, c'est cool alors si t'as passé un moment, Razi. Oui, moi, ça fait du bien, hein. Petit apéro pour se détendre aussi après le boulot. Qui peut dire non, quoi? On dit vraiment, j'ai... En fait, j'ai des poils, c'est horrible. J'ai des... Alors, pas les miens, hein, ceux de mon chat. C'est catastrophe. T'as passé une bonne journée, Pauline? Ils ont pas... Ah ouais? La dernière mise à jour, elle date de quand? Vous voyez le sélacante là? Là, you smell the sélacante? This is the sélacante? Pas du tout! C'est un bar commun! Je déteste les bars communs. Ah vraiment? S'il y a un poisson que je peux plus me saquer, c'est les bars communs. Hein. Vraiment, il mériterait bah, de finir en brochette, quoi. Petite brochette de bar commun. Ah vraiment, je vous assure. Je vous assure qu'il mériterait.
Ok. C'est bien, mais vraiment, c'est parfois très compliqué. Tout dépend pour qui. Oui, c'est ça. En vrai, ça dépend de pour qui tu travailles, etc. Et puis de toi, comment tu es, etc. Oh, c'est trop mignon ça. Let's go. Ça, j'avais pas. Ça, j'avais pas, je crois. Ça, c'est un sel à compte. Ça, c'est un sel à compte, les amis. Vous allez voir. Le barcomu à compte. Ouais, exactement. C'est une nouvelle espèce. C'est très bien. Petit apéro ici, saucisson. Moi, je valide. Hein. C'est un peu l'assistance sociale version entreprise. Mais c'est ça, en vrai, c'est ça. Bon, pas que forcément, mais il y a de ça en partie aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que il y a des moments où les RH, pour moi, c'est les super-héros qui n'ont pas de cap. Genre, vraiment, avec des très bons RH, je peux te sentir tellement bien dans une entreprise. Puis tu vois, il y a des RH aussi qui font un peu en mode happiness manager aussi. Enfin, deux ans, car je vois tout ce qui est compta et gestion de salaire aussi. Ok, c'est cool. C'est même pareil, après tu vois, tu peux limite te mettre à compte et proposer plein de services, tu vois, pour des petites entreprises et ça peut être très smart. Ok, c'est le Célacant. C'est le Célacant. C'est le Célacant. Ça, c'est le Célacant. Mais va prendre une bière si tu vois trop de barres. Ouais, était pas mal celle-là. Non, elle était pas mal. Non, elle était pas mal celle-là. Elle était bien. J'ai bien aimé Benji, ça va. Elle était cool. Mais ouais, mais du coup, je vais prendre une pinte, c'est parti. Je vous emmène avec moi si vous voulez. Je m'appelle Discord et je stream le. En vrai, vous, ça peut être débat, hein. Genre, je stream Discord, je m'auto-appelle Discord et live dans un bar, c'est parti. Je rentrais, je suis allé voir les copains. Ça va, c'était cool. Vous avez fait quoi de beau, Pauline? Conduit 5 novembre 2020. Ah ouais, ah, c'est pas ouf, hein. 5 novembre. Je vais y aller, j'essaierai de repasser, mais s'il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, mais les force à toi. Et donne tout, ok. Tu donnes tout, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Je te dis au revoir avec cette magnifique tenue de... C'est quoi cette merde? À l'aide. Mais en tout cas, force à toi, Amel. Un couacoubar, Benji. Oh putain, non, pas les quoi. Non, non, les amis. Non, non, non. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il est en train de miauler dessus là. Je me suis arrêté. Attends, comment je fais? Je me sens cringé par mon invention. Mais non, mais c'était le filet, je suis con. Ok. Attendez, comment on fait pour aller. Ok, on va aller dans l'eau. Wouh, on va dans l'eau. C'est où qu'il y a des. Il y a des trucs dans l'eau du coup? Ah ouais, ça doit être ça. C'est tout? Oh, let's go, des algues. Super, wouh, les, ouais. Si c'est un bon, c'est la, si c'est pas un bon, c'est la merde. Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est pour ça. Clairement, quand t'es dans une entreprise, avoir un bon RH, ça sauve clairement la vie. Hein. Je fais la comparaison parce que je suis en dernière année d'assistance sociale et je trouve qu'il y a des missions. Ah, mais clairement, ouais. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand même, la RH, c'est aussi beaucoup de social, tu vois. C'est pour ça que la RH, il faut aimer le contact humain. Clairement. Clairement, il faut aimer le. Faut aimer le contact humain. On a mangé McDo. Pouce, let's go. Il faisait beau, Pauline. Tain, en vrai, c'est que. J'avoue, tu vois, genre, prendre un petit truc, et tu le manges au soleil et tout, c'est incroyable. Hein. Je me sens cringé par mon invention. Mais non, faut pas dire ça, quand même pas. En tout cas, je suis à repasser. Sacré Pauline, palamch. J'adore rire. Mon invention. Ah, mon intervention. Ah ouais, bon, c'était ton invention, le Kwakubé, peut-être, Lolo. Des salaires et des dossiers maladie, et c'est très intéressant si on aime les chiffres. Après, je trouve que c'est pas un métier simple, contrairement aux clichés. Ah non, mais clairement pas. Clairement pas. De toute façon, aucun métier n'est simple, entre guillemets. Hein. Tous les métiers sont complexes. Hein. Gourman, comment tu vas? C'est un plaisir de te voir. Ça dit quoi? Bon, par contre, j'arrive pas à trouver des... J'arrive pas. Elles sont les bubules. Bon, du coup, pourquoi une algue, ça faisait des bulles? Vraie question. Qu'est-ce que t'as, Spook? Spook, t'arrêtes de miauler dessus comme ça? Du coup, c'est pas très cool de faire ça. Hein. Ah, oui, il y a aussi un bon manager. Manager, RH. Tu vois, c'est des postes qui, dans une boîte, clairement, ça change vraiment la donne. Mais je chope des moules, mais je... Putain!
En vrai, c'est bien ou pas? Je sais pas où c'est. Surtout j'ai chopé des bangers de trucs bangers de fou et c'est super rare. En vrai, je pense qu'une moule et des algues, ça va être super rare, je pense. Ça serait vraiment super cher. Qu'est-ce que t'as? Salut Mehmet, coucou! Comment ça t'es en colère? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Mais voyons, au Kakubé, je me sens comme un caca au fond des toilettes. Putain, Alain, pauvre Lolo, mais non! Non, j'oserais pas! Oh, attendez, il faut que j'aille chercher de l'eau, j'ai plus d'eau. J'ai tout bu! Ok, c'est bon, j'ai récupéré! Comme tu dis, c'est des clichés, au contraire, on rencontre parfois des situations super difficiles à gérer. Ah, bah clairement! Clairement, de toute façon, toute situation sociale peut être compliquée à gérer. Pour ça. En fait, j'ai responsable de magasin et que moi, je me suis beaucoup intéressé aux droits sociaux pour l'équipe de la boutique. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais aider les salariés à se sentir bien dans les entreprises. Alors, je vais être très franc avec toi, parce que girl, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon alternance récemment. Parce que je me sentais pas bien. Parce que, bah, en fait, clairement, il n'y avait pas de management, il y avait rien, il n'y avait pas de. La seule personne qui était là pour aller mieux au final, bah du coup elle venait une fois de temps en temps parce que c'était une personne en freelance. Et c'était pas du tout son rôle de base. Mais bref, je me sentais très très mal, tu vois. Je me sentais pas du tout épanoui. Et clairement, c'est. Voilà, si vous voulez vous sentir. Enfin. En fait, je trouve ça fou, tu vois. On néglige autant le bonheur des salariés en fait. Dans une boîte, on néglige autant le bonheur des salariés, ça va pas du tout. Coucou Molly Ayop! Molia Oip Molia Molia Wap Molia, coucou Molia, comment vas-tu? Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Moi je n'y ai pas la récompense. Chapeau pour qu'il puisse sortir le même costume de son personnage. Attends, il y a pas chapeau? Il y a pas eu casquette? Moi j'avoue que ça pourrait être banger, mais je l'ai pas en plus. J'ai pas le même. J'avoue que j'aurais bien aimé, mais je l'ai pas. Donc un peu tristounet quoi. Go boire moi aussi, vas-y, go boire les amis. Bon, j'espère qu'on... Ça va c'est quoi? Ouais. J'étais en alternance en marketing, communication, et même un peu d'audiovisuel. Je faisais beaucoup de choses. Je faisais vraiment beaucoup de choses et du coup, bah, en vrai, j'ai préféré arrêter. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. Mais genre, si vraiment vous voyez que c'est la merde, etc., n'hésitez pas, genre déjà en parler aux supérieurs, etc. Et n'hésitez surtout pas en fait à prendre du recul et à même parler aussi à vos proches de vos situations, etc. En tant qu'employé, parce qu'il y a des moments en fait, c'est des choses qui pour vous en fait paraissent normales, mais en fait ils ne le sont pas du tout. Ouais, Wazali, coucou. Oui, Charlie. Putain. Mais je crois que je vais aller changer de t-shirt, je crois. Après voilà, c'est banger. Excusez-moi, mais oui, Charlie, vrai banger quoi. En fait, je vous ai pas dit, mais ça vient de moi quoi. Mais vraiment, je me fais harceler de. De oui Charlie je crois. Ton maillot de bain. Ah ouais en plus. J'avoue, bah ouais je suis assorti en vrai. Ah mais c'est pour ça Benji. Ah j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut te rejoindre sur ton île? Non pas pour l'instant Molia, je suis désolé, pas pour l'instant. Je fais un petit peu mes trucs dans mon coin et peut-être qu'un de ces quatre j'ouvrirai mon île. Après je sais pas trop ce que ça représente. Coucou Antoine. Super longtemps. Comment tu vas Antoine? Ça fait plaisir de te voir. C'est dit quoi de beau? Vous inquiétez pas hein. Je prends le temps de lire les messages. Du coup, t'as trouvé Wazali où était Charlie? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, j'avoue que j'ai du mal. Hein. Oh, Dodo Code, SVP, Dodo Code, Dodo Code! OSVP, Dodo. Putain, en vrai, le peu de fois où je les stream, au final, Animal Crossing, j'ai jamais eu ça. Donc, bon. Non, mais ça arrive vraiment régulièrement. Parce que je sais que la première fois où je crois que. Non, c'est. Je crois que c'est la première fois où j'étais justement venu sur ton stream, Quen, genre. Justement j'ai dit ouais à plus je vais aller dodo tu vois. Et du coup tu sais je comprenais pas pourquoi le mot dodo était ban. Et voilà. Du coup bah j'ai ma réponse. Du coup comment ça va Antoine? C'est dit quoi? C'est quoi l'équipe? Mais en tout cas mon maillot est magnifique. Je sais que t'as j'espère que tu Wazali, j'espère que tu valides mon maillot quoi. Parce que je me suis acheté le même IRL là. Alors par contre pause. Pourquoi mon petit perso là frère il nage avec des... Non, c'est quoi, c'est...
pourquoi j'ai des espèces de chaussons de papy avec des chaussettes hautes à rayures. Oh, y a rien qui... oh, le style est négatif. Le style est négatif. Je répète, le style est négatif. Vraiment, ouais. Mais tu sais, Pascal, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que dans la vie, il y a des bonnes, des mauvaises expériences, mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Et putain, c'est très philosophique ce que je viens de dire. Mais en soi, bon. En vrai, c'est un peu la vie. C'est un peu la vie. J'avoue qu'au début, bah, c'était un peu tout beau, tout rose. Tu sais, c'est en mode de, bah, on te fait croire que tout se passe bien, machin. Et après, au fur et à mesure, tu te rends compte de certaines choses et que tu cautionnes pas forcément. Mais bon, maintenant, je vais me lancer du coup tranquillement à mon compte. Je vais faire mes trucs de mon côté. Et c'est peut-être plus mal. Sabien, en pleine révision de partiel qui commence lundi. Je sature, putain, force Antoine. Et ça, est-ce que tu le sens bien quand même? Oh, mais détends-toi, c'est important, ouais. Fais des pauses aussi, c'est pour ça, ouais. Dès que vous bossez, oubliez pas, faites des pauses. Et, oubliez pas, faites la technique 25 minutes, 5 minutes. Important. Mais en tout cas, je croise les doigts pour toi, Antoine. Tu me diras, hein. Tu me tiendras au courant. Sûrement dans tes cheveux. Le même IRL, aïe. Ouais, mais en fait, parce que je voulais. En fait, je voulais changer de style et je m'étais dit. Enfin, je trouvais qu'il était beau, etc. Et en fait, enfin. Enfin, je trouvais qu'il était. Enfin. Il avait un flow, quoi, et tout, et. Voilà. Sûrement dans tes. Oh, par contre, le sûrement dans tes cheveux, c'est... Je sais. Je sais. Je sais, j'ai mes cheveux, c'est un putain de casse de moto. Genre, vraiment, aucune vanne, je vous assure, je laisse pousser mes cheveux 2 mois. C'est un bordel monstre. Hein. Non, là, il y a même pas de style. Mais pour moi, c'est. Tu sais, c'est vraiment le matin. Quand tu pars et que t'es en retard et que bah tu sais pas comment t'habiller, vraiment tu prends des choses au pif quoi. Pour moi c'est un peu ça. Non mais t'inquiète Andrew, y a pas besoin, vous inquiétez pas, gardez vos sous pour vous. Moi je gère avec mes sous, t'inquiète. T'inquiète, t'embête pas. Y'a pas de soucis pour ça. C'est des van splits mais bref, mais bah c'est vraiment pas ouf en termes de flow. Voilà. Ceux qui avaient ces vans. Pas terrible, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est des chaussures de grand-père. Puis c'est, certes, c'est juste Vans qui les ont repris, mais à la base, c'est des chaussons de grand-père. Donc, pas terrible. Ok, et du coup, ça, il faut que je les donne à Thibaut ou pas? Vas-y, attends, on va aller checker. Vas-y, on va lui donner ça, on va voir. Merci beaucoup, c'est gentil, Passgirl. Mais c'est pour ça, ouais, c'est. Tu vois, t'as eu le courage en vrai de changer de direction, etc. au niveau du taf, au niveau du professionnel. Et clairement, c'est moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous voyez qu'à terme, il y a des choses que vous cautionnez pas, ou voilà, discutez-en autour de vous pour prendre la température. Et quitte à trouver autre chose, quitte à faire d'autres formations, quitte à changer totalement de boulot, sachez-le, il y a des gens qui l'ont fait. Dites-vous, même, je redis tout le temps, mais mon tonton. Qui avait 50 piges, s'est dit, ok, je vais faire une 6e année, tu vois. Genre, 50 piges, il était avec des étudiants qui en avaient genre 25-30. Bref, tu peux faire des dons pour ceux qui ont la calvitie. Bah, en vrai, avec plaisir, c'est. Enfin, tu vises des gens en particulier ou pas? Genre. Enfin, tu me dis, et vas-y si tu veux. Genre, prochaine fois, je sais quoi faire. Tu sais, je les ramasse dans une petite balayette et je les envoie par la poste. Ou limite, je les mettrai avec le magnète. Je pense que ça peut être une bonne idée. En vrai ça va pas mal, j'avance petit à petit. Je pense que ça peut passer mais je suis loin d'avoir fini encore. Ouais, bah en vrai te décourage pas. Et vas-y petit à petit, step by step. Et après je sais pas si vous avez des strats ou pas pour vous pour réviser. Ça je peux lui donner plusieurs fois. Non, c'est un peu con de lui donner plusieurs fois si. Vas-y on donne tout. Non l'hippocampe, regarde. Au pire on ira vendre. Je pense qu'on ira vendre. Mais ouais mais t'inquiète moi j'ai pas besoin de sous. J'ai pas besoin de sous, t'inquiète. Y'a pas de. Je suis déjà assez riche comme ça, t'inquiète, j'ai déjà plein de sous là. Mais en retard, je m'habille avec. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, Lolo. C'est ça, la vie est trop courte pour les regrets. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Ouvrir un commerce. Putain, les cheveux de rock. Après, est-ce que du coup, à côté, je peux vendre genre. L'eau de la douche de rock? Est-ce que je peux vendre. Oh, je pourrais vendre les poils de spook aussi, ça peut être une bonne idée, hein. Je pourrais peut-être vendre. Je sais pas. Je pourrais faire. Je pourrais vendre des. Ouais, des cheveux, mais je pourrais vendre aussi mes poils de barbe, je pourrais vendre... À réfléchir, en vrai. Moi, je vous ai pas dit si c'est mon business. Allez, y'a pas de soucis, ça marche à toute razzie. Merci pour le lurk, en tout cas, il a un flow, ton perso, je suis jaloux. Ah, je sais, non mais je vous apprendrai si vous voulez, hein. Je pourrais vous donner des cours de style. Enfin, si vous êtes chaud, vous pouvez participer à l'émission... C'est quoi déjà le nom de l'émission?
là pour changer de style là. Nouveau style, nouvelle vie, nouveau look, nouvelle vie, nouveau look, new look. Non, new look c'est un magasin. Ou c'était un magasin. Je sais plus, bref. Tu sais que tes cheveux, tu peux les envoyer à une entreprise pour qu'ils en fassent des baluchons qui permettent de dépolluer la mer. Mais mec, envoie le nom de l'entreprise et en vrai, ça se discute. Non mais vraiment, c'est vrai, hein. C'est, mes cheveux, ils poussent très rapidement et tout. Je vais très souvent chez le coiffeur. Faudrait que je bois pour ça. Mais en strat de pas réviser, comme ça, pas perdre de temps. Ouais, toujours le bien sûr, le talent, hein, bien sûr. Aucune strat, je fais le feeling. Bah en vrai, juste, soyez organisés. Soyez organisés dans vos révisions et y a pas de soucis. Hein. C'est vraiment le seul tuto à faire, c'est soyez organisés. Mec, j'ai 10 millions, je sais pas quoi faire. Mais je sais! Putain, mais je sais que... Nouveau look pour une nouvelle. Ok, c'était ça. Mais je pense que je vais y participer à Dolly. Parce que voilà, je pense que j'en ai besoin. Voilà, parce que même si, ok, le style Louis et Charlie est pas mal. Même si le style Louis et Charlie est pas mal, je pense que ni de changer de flow. Voilà, parce que c'est, voilà, c'est pas comme ça que. De quoi, Pofon, qu'est-ce que. Non mais vous auriez pu dire que j'étais même pas cadré par la caméra là. Ça va pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait quoi? Oh regardez, on dirait un Bogdanov. Quelques trucs près quoi, on dirait un petit Bogdanov. Capillium, les cheveux pour dépolluer les océans, fertiliser les sols. Et en gros du coup c'est quoi, tu les envoies par la poste? Du coup, t'envoies une petite lettre en mode pépouze, j'envoie ma lettre. Et du coup, en fait, il récupère ça et. Mais c'est trop bien en vrai comme idée. Après, on se souvient, il y a un an, les premières fois que j'ai découvert tes lives, j'étais en prépa. Et on est quand même plus dans le même délire aujourd'hui, donc easy, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, Antoine, c'était la galère à l'époque. Hein. Je me souviens. Et vraiment, encore respect à fond. Hein. Vendre l'eau du bain, aka Ruby Rocara. Ruby Rocara, c'est parti. Et du coup après t'es en vacances Antoine? Enfin où ça se passe comment? Ouais. Désolé, je l'orque aussi, je me suis lancé dans le... Ouais, je veux dire Valo. Pourrait se faire une game un de ces quatre aussi Yumio. Mais merci pour le l'orque, c'est adorable. La chandre, il a des vaches qui poussent vite. Ouais, je sais. Non vraiment, quand je vous dis que j'ai des vaches qui poussent vite, c'est je pense, tu vois, dans... Je laisse pousser mes cheveux peut-être un an. Ils sont aussi longs que ceux de Quen, c'est vraiment 100%. Genre y a pas, vraiment je vous assure, hein. On dirait le grenier, wesh. Ah ouais, vous m'avez entendu même à travers l'image. Putain, c'est sûr, Jimmy Neutron. Ah ouais. Moi j'aurais dit plus Bogdanov, Destroy, mais je peux comprendre en vrai. Je peux comprendre, aucune idée, c'est le nom de la société qui fait ça. Mais je crois que c'est que pour les coiffeurs. Ok, mais j'espère, tu vois, ils devraient, en vrai franchement, je sais pas si les coiffeurs justement jettent les cheveux justement qui coupent. Parce que clairement c'est que quand tu vois à quel point un cheveu c'est solide, je me dis 100% on peut faire des vêtements etc à base de cheveux ou tu sais des sacs ou des machins, enfin parce que vous savez que genre une tresse de cheveux ça peut, je crois que ça pouvait soulever plusieurs centaines de kilos quoi, donc bon genre ça pouvait même soulever une voiture je crois, genre il y avait vraiment une, ouais projet cheveux longs, ouais bien sûr bah je vous l'ai dit là, projet cheveux longs c'est parti en fait. Alors en fait la technique, ce que je veux faire c'est que je veux faire en fait pour... Parce que voilà, moi je suis un gros whip sa mère qui pue, qui se lave pas. Et en fait, bah, si vous voyez Gon dans l'arc Chimera Ant, bah, en fait à un moment il fait... Et en fait après justement les cheveux ils se relèvent sur sa tête, mais en fait c'est mon but. Du coup je vais raser les techos et je vais laisser pousser juste le haut comme ça et ça va faire un plop. Voilà. Et voilà, c'est mon projet cheveux long. Du coup ça arrive soon dans les bacs, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc ceux qui ont la ref... Merci de me soutenir. Mais t'inquiète, sur Discord, un de ces quatre, Yumio. Après, vacances, mais dans un moment, parce que j'ai plein de partiels. Parce que tu finis quand, du coup, l'année? Donc, nos meilleurs des scénars d'ici une vingtaine de jours. Bon, ça va, en vrai. Genre, fin juin, ça va. Au fait, non, let's go. T'as acheté une Switch avant les partiels, Antoine, putain. Tu sers pas à tes partiels, toi. T'as acheté Mario Kart, j'espère. Tu viendras jouer avec Mario... Enfin, Mario Kart avec nous, Antoine, ou pas? Donc tu vois, voilà, giga projet cheveux longs. T'as mon Discord. Ouais, exactement, je suis en mode Discord. Mais encore mieux, moi je suis un admin Discord. Mais ouais, bien sûr, moi je... Vous croyez quoi?
Je suis un admin Discord là. En plus on est quasiment 800 sur le serveur. Plus tard peut-être. Oh non, il est chiant. Non, il est chiant votre pote là. Il est chiant. Non mais comment ça? De l'engrais naturel dans les cheveux, c'est comment? Mais je sais pas. Bien sûr que en fait je prends rien. Je sais que bah il y a des comprimés, des machins, etc. pour faire pousser plus vite les cheveux. Mais moi dites-vous que j'en ai tellement marre que j'aimerais bien limite, tu sais, être comme dans GTA et juste que mes cheveux ils poussent pas, tu sais. Parce que il y a des moments, genre quand je sors du coiffeur, je suis en mode waouh, je suis trop BG de fou. Et en fait après, genre deux semaines après, bah ça casse les couilles parce que du coup ça a déjà repoussé quoi. Donc voilà. Pire idée du monde, ouais. Beau gosse, tu feras peur aux filles. Quoi? Au pire au fait. Putain. Peur aux filles, chat qui s'appelle Pito. Exactement. Ah bah je vais la fumer, hein. Elle avait pas joué avec la tête de mon pote, hein. Desireless? Attends, j'ai pas la ref. Desireless? Exactement. Oh! Mais exactement. Mais c'est ça. C'est mon objectif. C'est totalement mon objectif. Je valide. Je valide avec Gringrand, oui, bien sûr. Grand plaisir, c'est en partie pour ça que je... Oh, let's go! Mais ouais, avec plaisir, écoute, tous les mardis, on est là, on donne tout. Ok, bon, vas-y. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Tom Nook. Sinon, du coup, on aura récolté un petit peu pas mal de ressources. On aura fait les cailloux, on aura fait les fossiles, on aura pêché, on aura... Bref, on aura bien avancé. Donc ça, c'est cool. Ok, ouais, du coup, on va aller voir Tom Nook. Ok. Et juste pour voir s'il a pas, du coup, il a d'autres choses à faire. Parce que je crois qu'on va. Logiquement, on est censé avoir une maison upgradée. Dans ce qu'il nous avait dit. Je dois faire quoi? Ouais, une excellente question. Nous avons fait le nécessaire pour accueillir les nouveaux résidents. Alors, tu ne me prends un peu de cours? Tu as pris tes marques sur l'île désormais. Alors, je t'en prie, prends un peu de temps pour toi. Mais non, mais moi, je veux bosser. Putain, en vrai, je veux bosser. Je vais bosser à propos de ma maison. Voyons ce qu'il faudra à ta maison. C'est une pièce un peu plus grande. Il suffit pour cela de contracter un. Bah vas-y en vrai. Bon vas-y tant qu'on y est, on va. Merci Tom Nook. Un prêt de 200 000 clochettes, un plaisir. D'ailleurs, je vais de ce pas m'assurer de la bonne ouverture du chantier. Oh, j'oubliais, il faut encore que tu choisisses la couleur du toit. Nous proposons pas moins de 8 coloris. Oh, ok, on part sur quoi comme coloris? Y'a pas genre. Attends, y'a quoi? Attends, y'a quoi? Bleu, turquoise, vert, violet. En vrai, violet, ça claque, hein. Je sais pas. Si vous avez besoin de conseils de vie, surtout, n'allez pas le voir. Clairement, lui, il va te dire, ok, bah, je te donne des petits conseils, paf. Bah, tu me donnes 200 000 clochettes, connard. Je crois que c'est juste une pièce plus grande, Destroy, mais je suis pas sûr. Vas-y, on va aller checker ça après. Bon, vraiment, j'en peux plus, hein. Vraiment, là, les poils de spook, là. C'est mon nez, c'est des aimants à poils de spook, frère. Je suis désolé, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ça va être rouge, rose, ouais, bof. Moi, venez, on prend violet. Vas-y, on va prendre violet. Ouais, vas-y, on prend violet. En vrai, c'est stylé violet. Le chantier devrait s'achever demain. C'est parti. Oh, ouais, du coup, on va devoir rembourser tellement de thunes. Ouais, être le gobelet. Faut se soucier pour un gobelet. Ouais, trop stylé. En plus, j'adore le noir mat, perso. Moi j'ai acheté ça à action 2€. Ça fait le taf. Ok, vas-y, le Nook stop. Bénef, oh, en vrai, bénef. De toute façon, action c'est bénef de fou. J'ai acheté aussi un hub USB pour charger mes appareils. En vrai, j'ai acheté 2-3 trucs et en vrai, ça fait le taf. Hein. Donc on est. Putain, on a 5500. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça? Après, de toute façon, action, c'est ça. Hein. C'est t'arrives, tu dis ok, je vais acheter des éponges. J'ai acheté pour 30 balles de trucs, quoi. dire que j'ai bossé à action. Ah ouais? Sérieux? T'en as vu? Vas-y, donne-nous les insights de action Destroy. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Motif perso pour les pros. Les coiffures, les. C'est moche, c'est très moche. En fait, qu'est-ce qu'il faut que j'achète en vrai après avec les Nook Miles? Putain, et les tapis sont vraiment stylés, hein. Si jamais ils faisaient ça comme tapis IRL, je l'achèterais direct, je pense. Y'a quoi d'autre aussi à faire? C'est vrai, en vrai, je sais pas à quoi ils servent à part ça, les Nook Miles, en fait. Achats spéciaux.
Économise, ok, vas-y, j'économise pour des tickets, vas-y. De toute façon, en vrai, pour l'instant, j'ai 5500 et on verra. Et du coup, bah... Pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va aller racheter des trucs. On va aller... parce que là, j'ai les filets, etc. Mais là, du coup, le but, ça va être de... Vas-y, on va continuer de pêcher. Non, vas-y, ouais, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller continuer de voir les tréfonds de la mer. C'est comme ça, on va pouvoir avancer un petit peu. Et dans tous les cas, on aura notre maison au prochain épisode, donc c'est pour ça. Et après, je pense qu'on verra, peut-être pourquoi pas, pour essayer de faire plus des fins de stream sur Animal Crossing. Je me dis, en fait, faire des streams entiers sur ça, c'est peut-être c'est bien, mais autant essayer de... Et je pense qu'on va sortir des semaines prochaines, d'ailleurs, il y aura des nouveaux jeux. Hein. Je vous le dis, mais semaine prochaine, on aura pas mal de nouveaux jeux. Hein. On va déjà lancer une run sur Rosa, je pense. J'ai acheté des claquettes à 5 balles. Non, mais clairement, ça fait le taf. T'achètes tout pour absolument rien. Et vous avez... Oh là là, le boss, let's go. Alors, je ne les ai pas encore mis, mais... À quand le Mario Galaxy 2 En vrai, bonne question. Ça, clairement, ça pourrait arriver. Faut juste que je m'achète une manette de Wii, quoi. Parce que j'ai un peu la flemme de jouer avec les... comment ça s'appelle la Wiimote, quoi. Genre, c'est cool, la Wiimote, mais bon. Mais ouais, Mario Galaxy 2, on le fera. C'est clairement prévu. C'est vu qu'on a fini 3D World. Il y aura peut-être Luigi's Mansion aussi qu'on va faire. Il y a Mario Galaxy 2, ouais. En vrai, il y a pas mal de jeux qu'on va faire. Il faut juste que je me pose et que j'arrête de les oublier, quoi. Sur les Mario, on a fait Sunshine, Galaxy 1, Odyssey, 3D World, Bowser Fury. Non, franchement, on a bien avancé dans les Mario. Hein. On en a fait pas mal. Hop. Ok, est-ce qu'il n'y a pas des petites bubules là? Non, il n'y a pas de petites bubules. Moi, j'ai un peu le seum. Un peu dégoûté. Je nage tel un petit chien. Non, catastrophique. Et d'ailleurs, ouais, pour ce week-end aussi, samedi, je stream pas. En gros, j'ai une espèce de mini convention. En gros, c'est un truc qui est gratuit à la base. C'est organisé par une ville à côté de Bordeaux. Et du coup, en vrai, c'est cool. Et du coup, ouais, je vais refaire la conférence et justement faire des petites animations sur scène et tout. Donc, ça va être bien cool. Et après, bah, dimanche, on se retrouvera qu'à 14h, je pense. Je sais pas encore exactement, mais logiquement, on se retrouvera qu'à 14h parce que je voulais être dans un vide-grenier. Donc je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Pas mal, mais t'en reste. Bah, en vrai, il me reste 64. Mario Galaxy 2. En Mario 3D, après, c'est tout. Et après, c'est que des Mario 2D, quoi. Mais Mario 2D, je sais pas si je les ferai. Je sais pas si j'ai vraiment envie de faire. Après, on a fait New Super Mario Bros. DS. Donc à voir. Mais en 3D, en vrai, je les ai tous balayés, hein. Les Mario 3D, ils ont pris cher. Hein. T'es vraiment bien assorti à ton superbe Mario. Ah, si vous saviez. Mais je fais un effort. Hein. Je fais des efforts. Hein. Je suis un streamer qui donne tout. Hein. Moi, clairement, je déconne pas avec ça. Hein. Je déconne pas avec le style. C'est important. J'ai acheté Ori and the Blind Forest et le deuxième aussi. Je crois de les faire. Ouais, ça, c'est très cool aussi. Bah, il y avait quelqu'un qui les avait fait récemment aussi. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien et tout. Ouais. En vrai, c'est très mignon et tout. La DA du jeu est vraiment cool. Bah du coup on peut faire un double ou c'est Charlie non? Bah en soi oui. Non parce qu'en fait c'est pas oui Charlie parce que du coup je fais juste un cosplay sur mon personnage. C'est parti. Ils étaient en promesse. Ah sur le Switch Store je les ai payés combien? Bon, c'est vrai qu'en vrai tous mes jeux, j'en ai acheté pas mal, tu vois. Pareil, il y a Hollow Knight aussi que j'aimerais faire. Il y a Tunic aussi j'aimerais bien faire. Donc il y a d'autres possibilités, ouais. Tunic on commence semaine prochaine. J'aimerais bien commencer Tunic et Pokémon Rosa, peut-être. Vous aurez. Putain ouais bénef hein. Tout est dans le détail. Et c'est au détail qu'on reconnaît des streamers incroyables. C'est faux. Mais je savais même pas qu'il y avait des promos en vrai. Sur le Nintendo Store. Oh, je sais même pas ce que c'est. Hein. Vraiment, je vous assure, je ramasse des trucs, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Je comprends vraiment pas tout. Je sais pas ce que je pêche. Mais je le pêche. Donc ça va, ça. Bon, je sais pas pourquoi ce soir j'ai l'impression d'être KO et c'est horrible. J'ai l'impression d'être fatigué, je sais vraiment pas pourquoi. Je pense qu'il faut que je dorme. T'as même tu. Mais c'est ça! C'est ça, Destroy! Je vous l'ai dit, tout est dans le détail!
Non, vrai, vraiment, j'avoue que j'ai pas fait attention. Je savais même pas que j'allais faire ça aujourd'hui. Tu peux choper des super jeux. Bah, en vrai, je fais pareil sur, sur Steam en vrai. Steam et même du coup Epic Games. Oh, c'est un requin ça. Attends, j'ai envie d'aller les choper. Si ça a l'air d'être un petit requin, ça j'ai pas ça. Ou alors c'est peut-être un sélacanthe. Un sélacanthe. Ah, mais je peux pas les pêcher, super. Bah, super, je peux pas les pêcher, bravo. Bravo à vous. J'ai eu des Outlast pour 10 balles aussi. Ouais, parce qu'il y a eu le nouveau Outlast qui est sorti. Donc, à mon avis, je pense que c'est pas mal le coup de com' pour essayer justement de. Ils disent, ok, on vend les jeux comme ça, après derrière, on peut essayer peut-être de vendre celui d'après et tout, mais. Mais c'est cool en vrai. J'avoue que Outlast, j'ai jamais fait. En fait, ça a tellement été déjà fait Outlast que c'est pas un jeu, je pense, que je ferai genre en stream. Bah, je crois qu'il y a. Alors, de ce que j'ai compris, il y a Outlast 3. Alors, c'est pas Outlast 3, mais c'est un. Ou alors un spin-off, ou je sais pas, qui est sorti. Genre très récemment. Ou alors qui va sortir, je sais pas, j'en ai entendu parler. J'avoue que je me suis pas trop informé sur le sujet, donc je pourrais pas trop vous dire. J'avoue quoi, Outlast, j'ai jamais fait. Mais en vrai, ça, regardez, ça. C'est à suivre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? Je sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce que j'ai. Hein. J'ai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ça? Hop. Est-ce qu'on. Vas-y, au pire, on se remet à la plage. En vrai, c'est. Vas-y, on se remet sur la plage. On va récolter des coquillages. Non, vas-y, on continue. Après, je sais pas s'il y a d'autres méthodes de farming pour se faire vraiment des thunes rapidement, en vrai. Ah si, il faut que j'aille chercher canne à pêche. Voilà, il faut que j'aille chercher une canne à pêche. Parce que j'ai plus de canne à pêche. Non, c'est pas là. C'est mal idée d'avoir enlevé l'arbre. C'était pas mal, c'était pas mal. Mais ouais, du coup pas de stream demain après-demain. On se trouvera que dimanche et on continuera du coup Tears of the Kingdom. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura pas mal de streams, je pense. Il y aura un stream lundi, parce que lundi c'est mon anniversaire, donc on fera un petit stream je pense. Puis après on fera aussi sûrement mardi Mario Kart, jeudi et samedi dimanche je pense. On fera peut-être 5 streams semaine prochaine. J'aurais peut-être dû en prendre une autre en vrai. Attends, je vais en prendre une autre parce que ça se casse trop rapidement, c'est merde. C'est de la qualité pas ouf. Et on a déjà 40 000 clochettes en vrai. Donc en soi, il nous reste encore 160 000 clochettes à récupérer pour rembourser le prêt. Donc on est bien. Donc vraiment, c'est des petits pots de colle. Hein. Je suis désolé, ils sont très mignons là, mais on dirait qu'ils ont peur que je vole quelque chose, genre. Surtout, y a pas de soucis, des bisous, force et toi Antoine. Merci pour le lurk, c'est gentil. À très vite. Force en tout cas pour vos examens, etc. Hein. Vas-y, hop, on va partir sur ça et on repart à la pêche. Ouais, vas-y, en vrai, je pense qu'on va faire de la pêche pour la... dernière demi-heure là. Faire un petit peu de pêche. Hop. Ok. C'est la Kong. Oh putain Kong. Attends, il faut que je... Tranquille. Ok, tranquille. On fait la strat. Je l'aurai. Vous allez voir, je. Oui, c'était ça la strat à la base. C'est j'avance doucement vers lui et on voit ce qui se passe. Putain, mais non, mais je l'ai loupé. J'ai loupé les sous-sous, putain. Je suis dégoûté. C'est quoi la strat vachement. Je veux savoir la strat plus simple. Du coup, je pensais bien la faire en fait, la strat. Du coup, c'est pas ça alors. Et putain. C'est la cante ou en autre, c'est la cante. Ouais, vas-y, si tu veux, avec plaisir. Si ça peut m'éviter de crever face à un scorpion, je dis pas non. Hein. Tu sais, je crois qu'il... Ah ouais, j'étais pas sûr d'être sans lui.
Parce que j'ai pas vu, en fait j'ai fermé les yeux et après en fait j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait de la TP. Et du coup je me suis TP à ma maison et voilà, en fait j'ai pas tout compris. C'est pour ça. Ok, vas-y, il est dessus. Wow, putain, ils sont accros les bougles là. Les petites écrevisses, elles sont accros de fou là. Ok, vas-y. Hop. Bon, vraiment, je vais le retrouver. Hein. Je vous le dis, le scorpion, je vais le retrouver. Je vais lui montrer de quel point je me chauffe. Hein. Ah, ok, d'accord. Ok. My bad. En fait, on m'avait déjà dit, mais j'avais pas compris ça comme ça. Là, c'était bien expliqué. C'est méchant. Non, en vrai, ok, d'accord, je vois le truc. Putain, mais non, mais je troll. Vraiment, au bout du troisième, je crois que je suis trop impatient. Je suis en mode, le petit poisson, tu fais chier. Non, mais il pourrait faire des efforts, c'est vrai. Genre, c'était juste un effort en mode, toujours plus loin. Ok, ça, normalement, il devrait le voir. Ok, là, vu, c'est bon. Bah souvent c'est au bout du troisième quoi. Mais du coup après je suis plus trop patient quoi. Ravi d'avoir bien expliqué. Moi j'ai ma technique, c'est la technique YOLO. Il me suit 360 et je le capture. Donc en fait tu te fais full chase et après ça passe Destroy. Putain le boss. Coucou petite étoile, comment tu vas? Comment ça petite étoile?